Mercredi 29 mars au matin, le collège La Source d'Amnéville organisait à Snow Hall sa sélection pour la prochaine rentrée de la section sport-études ski. Au total, 7 prétendants devant intégrer la classe de 6e en septembre se sont présentés à cette sélection où il est demandé d'avoir déjà une pratique de la discipline à son actif et si possible d'avoir obtenu des étoiles. À l'entrée en section sportive, on demande évidemment des tests techniques et physiques d'un bon niveau, mais aussi un dossier scolaire satisfaisant, voire très satisfaisant, et évidemment un comportement qui permette de pouvoir suivre aussi bien à l'école que les entraînements de la section sportive. Si le niveau technique est évalué lors de cette sélection, l'aspect scolaire n'est pas ignoré pour autant. Ils ont exactement le même emploi du temps que les autres élèves du collège. Ils ont juste deux fois deux heures d'entraînement supplémentaire dans la semaine, qui actuellement ont lieu le mardi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 16h30 à 18h30. Donc c'est quand même 4 heures supplémentaires dans la semaine. Donc c'est une surcharge de travail sur la durée de l'année scolaire et en termes de travail et de fatigue évidemment. Donc ça demande de l'organisation et tant dans le travail physique que surtout dans le travail scolaire. Créée en 2010, la section ski offre la possibilité d'accéder à un cycle secondaire afin de se former au métier de la montagne. À l'heure actuelle, aucun élève du collège d'Amnéville n'a poursuivi dans cette voie. Toutefois, les collégiens amnévillois en section sport-études ski parviennent à obtenir des performances qui s'avèrent encourageantes pour la suite de cette section. Une place de vice-champion d'académie pour 3 de nos élèves de 4e et de 3e. Une qualification au championnat de France à la Toussuire au mois de janvier. Et une très belle aventure et visiblement ça leur donne envie de continuer et pourquoi pas de recommencer l'année prochaine ou dans les années à venir, puisque visiblement, d'après ce que j'ai pu observer, il y a 2 futurs recrues qui ont déjà un bon potentiel. Actuellement, ce sont 11 élèves qui suivent ce cursus et on constate une montée en puissance de cet effectif qui devrait être à 15 ou 16 à la prochaine rentrée.